Cher Katangé, cette vidéo est spécialement pour vous. Je vais vous répondre en vidéo, en français et en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Un tout petit peu en swahili aussi, je vais vous répondre. Parce que quand on dit trop, c'est trop, par vos insultes, ça fait plus de 2 ans que vous passez votre temps à m'insulter parce que moi j'ai refusé vos bêtises du tribalisme, de vouloir tuer les autres tribus, de vouloir chasser les autres tribus. Alors vous m'accusez de n'importe quoi. Vous passez votre temps à m'insulter. Si je peux jouer tous ces messages, tous les messages ici, c'est très regrettable les messages que vous m'envoyez. Surtout mes frères Baroubakat. Alors, j'ai décidé de vous répondre. Quand vous passez votre temps à insulter la femme du président Kibwekatanga, les enfants du président Kibwekatanga, mes enfants ne vous ont rien fait. Ils ne vous connaissent même pas. C'est moi. Je leur ai donné le nom de Katangais, le nom de Baloubakate. Ils s'en foutent complètement. Alors, pourquoi vous passez votre temps à m'insulter? Hein? Parce que vous étiez très content. Quand j'insultais les Kassaïens et que je disais qu'il fallait chasser les Kassaïens, hein? Vous me poussiez. Allez, faites. On va vous coucher. Chassez-les. Maintenant que moi j'ai compris, hein, quand j'ai eu des problèmes au Canada, vous aviez tous fermé vos téléphones. Je vous appelais. Je pleurais tout seul. Hein? Vous aviez fermé vos téléphones. Et maintenant que moi je veux pas faire du mal aux Kassaïens, je ne veux pas faire du mal aux enfants Kassaïens, vous tournez le dos maintenant, vous m'insultez. Vous me traitez de traître, hein, de corrompu, de tous les maux. Moi je ne veux pas tomber dans ce piège, ce petit piège des gens qui ont des petits cerveaux, comme des allumettes, hein, qui passent leur temps à parler tribalisme. Surtout mes frères Baloubakat, je vous l'ai dit, je vous regarde dans vos yeux. Vous êtes des tribalistes. Maintenant que vous avez vu que le président Kibokatanga a compris, il ne veut pas tomber dans vos pièges, vos histoires de Katakatanga là qui n'aboutissent pas et qui n'aboutiront nulle part. Oh, tantôt, c'est les cinq, ils vont sortir, ils vont faire ceci, le Katanga sera indépendant. Tantôt, oh non, ce n'est pas les cinq, c'est les six. Non, maintenant ce n'est pas le 6, c'est le 9. Oh non, non, ça sera le jour de l'anniversaire de l'indépendance du Katanga. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et vous utilisez ces trucs-là pour vous faire de l'argent. OK? Vous envoyez nos frères et sœurs aller se battre et sortir, vouloir demander l'indépendance du Katanga avec les drapeaux katangais. Après, ils vont se faire abattre et vous allez fuir. Vous allez le faire arrêter et puis vous faire de l'argent avec ça. Le président Kibwekatanga a compris. Il a compris que votre histoire de tribalisme n'ira nulle part. Même si un jour le Katanga devient indépendant, supposons que le Katanga est devenu indépendant, le Katanga aura besoin des Kassaïens, le Katanga aura besoin de toutes les tribus de la République démocratique du Congo parce que vous seul, vous ne pouvez pas. Vous êtes des incapables. Joseph Kabila, vous avez tout donné. Moïse Kabila, en commençant d'abord par Moïse Kabila, il vous avait tout donné. Tous les ministères. Hein? C'était que des Baloubakates. Joseph Kabila, il est venu. Il a pris les Katangais par-ci, il a mis les Katangais par-là, des gouverneurs, des ministres, des députés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez trahi. Il vous a donné de l'argent. Est-ce que vous avez construit dans le Nord? Rien. Vous passez toujours le temps à pointer les doigts sur les autres. Non, ce sont les Kassaïens qui viennent ici nous prendre tout. Les Kassaïens, ils travaillent. Ce sont des grands travailleurs. C'est ça le problème. Dès que vous voyez un Kassaïen s'achète une nouvelle moto, il s'achète une maison, vous commencez à faire votre tribalisme et la jalousie. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Oh, je vous regarde de loin. Vous voulez insulter ma femme? Allez-y, montrez aussi vos femmes.
Vous voulez insulter mes enfants? Allez-y, montrez aussi vos enfants. Oh, ne montrez pas tes enfants. On va les kidnapper. Vous êtes jaloux. Vous avez honte. Moi, je suis un père de famille. Vous voyez, 6 enfants, je les élève. Vous pensez élever 6 enfants de métis, c'est facile. Vous pensez épouser une femme, jeune femme, blanche, c'est facile. Faites-le, si vous êtes fort. Vous passez toujours le temps à insulter tout ce que vous connaissez. Même si on vous donne l'indépendance, aujourd'hui, vous ne ferez rien. Parce que vous êtes des foutards. Vous êtes des foutards. La plupart de vous sont des foutards, surtout la plupart des baloubakates. Mais les sudistes sont malins parce que moi, je travaille avec beaucoup de sudistes. Ils sont très intelligents. Hein? Ils ne regardent pas, oh, parce que Kibwekatanga, il est de Kabongo, il est voilà, on ne va pas travailler avec. Ils regardent l'homme et l'intelligence. Ce que je crée. Hein? Pas seulement la politique et des sociétés. Ils ont compris qui je suis. Mais vous, les nordistes, c'est rien. D'abord, dans votre petit village, vous vous divisez. Vous vous battez pour un arbre, pour un palmier. Vous jetez des foudres. Vous empoisonnez. Qu'est-ce que vous voulez me raconter, vous? Oh, il est ceci, il est cela. Si je vous lis certains messages, vous n'allez pas comprendre vos insultes. Parce que moi, je refuse votre tribalisme. Je ne tomberai plus dans vos pièges. Chers messieurs, chers Katangais, surtout, cher Baloubakate, moi, je ne tomberai pas dans vos histoires. Je ne tomberai jamais dans vos tribalismes. Non, je ne suis plus tribaliste. Parce que vous m'avez poussé. Va les insulter. Oui, Oubatele Mouché. Oh, Nibiloulou. Bendekwabo. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien à part les insultes. Montrez-moi. Qu'est-ce que vous avez à part aller applaudir Boris Katumbi dans les stades de Tepe Mazembe? Hein? Et là, il va vous donner du thé, un peu du pain périmé. Hein? Il faut plus s'amuser avec moi. Moi, je suis un homme fort. Je me suis battu au Canada pendant plus de 2 ans à cause de cette plainte que moi, je voulais vous aider. Voilà. Je me suis battu et j'ai gagné. Je suis parti. OK? Le Canada a compris. Hein? OK? Je suis un leader. Vous, montrez-moi ce que vous avez fait. Moi, je suis un homme très fort. Je vous ai prouvé. Vous êtes là à m'insulter. Oh, plainte. Évidemment, j'ai porté plainte. Vous avez porté plainte. Quand on a tué les Katangais, hein, on a déshabillé les femmes, on les a ligotées. Certaines femmes étaient enceintes. Vous avez dit quelque chose. Vous étiez sous vos lits. Hein? Un petit coup de feu. Ah, mon ingetinakitanda. Vous ouvrez vos bouches, vous m'insultez. Il ne faut pas. Kibwekatanga, c'est un homme fort. Je vous ai prouvé. Depuis que le Congo existe, il n'y a pas quelqu'un qui a porté plainte contre un président en exercice et qu'il a reçu une réponse en écrit. Une réponse de la CPI. Moi, j'ai tout. Vous avez tout vu. Hein? La plainte avec accusé réception. Est-ce que vous avez ça? Hein? À part aller mettre vos drapeaux dans vos petits appartements, quelque part en Belgique, vous dites que c'est ça l'ambassade du Katanga. Arrêtez vos bêtises. Le Congo restera uni. Un seul Congo uni. Parce que si on fait une erreur de vous donner l'indépendance, d'abord, hein, vous allez vous entretuer vous-même, hein, ok, et puis vous allez créer des génocides. La seule personne qui peut vous aider et qui peut diriger le Congo, qui peut diriger le Congo et le Katanga, c'est moi, le président Kibwekatanga, parce que moi, j'ai compris. Vous êtes des foutards, des ingrats. Hein? Vous passez votre temps à insulter. À part les insultes, qu'est-ce que vous avez? Zéro. Tu insultes un Kassaïen, la nuit, tu vas rentrer dormir dans la maison d'un Kassaïen parce que tu es locataire. Tu insultes un Kassaïen, tu vas au magasin de Kassaïen pour acheter la nourriture. Hein? C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas. Tu insultes un Kassaïen, après tu vas lui demander qu'il te donne du travail pour nourrir tes enfants. Arrêtez. Hein? Arrêtez. Laissez. Surtout les nordistes, les baloubakates, je vous l'ai dit. La plupart des gens du sud, les Babemba, Basanga, hein? Balamba, ok, Bakarund, hein? Tout ça, ce sont des gens intelligents.
Ils sont intelligents. Moi, je les ai compris. Votre intelligence, c'est la jalousie, hein, et la haine, c'est tout. Donc, arrêtez d'insulter le président Kibwegatanga, parce que moi, je suis un homme fort. Je me suis battu, je vous ai montré, je vous ai prouvé devant tout le monde. Moi, je me suis battu contre 6 avocats en anglais. Vous parlez anglais? Can you speak English? You can't, because you are so dumb and stupid. C'est ça, je vous dis. Moi, je me suis défendu. OK? Je me suis défendu au Canada. Et c'est fini. Ils m'ont rendu mon passeport. Ils m'ont dit, pars, parce que toi, tu es un nouveau leader. Hein? Tu n'as rien fait de mal, mais il y avait certains mots qui avaient certaines connotations. Ils m'ont laissé partir. Je me suis battu plus de 2 ans. Je suis un homme. Vous n'avez rien fait. Vous avez formé vos petits téléphones. Vous étiez là. Au secours, mais insultez-les. Mais quand le problème est arrivé, vous avez fermé vos téléphones. Alors, laissez-nous aller aux élections. Okay? Que le meilleur gagne. Le président Kibwegatanga sera candidat. Je suis candidat. Si vous ne voulez pas voter pour le président Kibwegatanga, restez là-bas dans votre nord. Où il n'y a pas de route, où il n'y a rien. Restez là-bas dans votre nom. Les autres tribus, les autres provinces vont voter le président Kibwegatanga. Pour votre information, nous avons le groupe Génération Kibwegatanga. Ça va venir. Vous allez le voir avec vos yeux, tout. Fondation Kibwekatanga, hein? Kibwekatanga Enterprises Group, Kibwekatanga Mining Company Limited, Kibwekatanga Lithium Manono, Kibwekatanga Food, Kibwekatanga Trademark, ce sont mes sociétés. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Allez Google à Londres, vous allez comprendre ce qui je suis. Les Anglais m'invitent pour faire des conférences dans le monde entier, à Dubaï, Qatar, pour le mining et mes sociétés. Vous n'avez rien, sauf que critiquer, critiquer et injecter et être jaloux. Mwende mukakombaniye ma michi ya mikoma, mwache kunyoji. Laissez mes enfants tranquilles. Ce sont des rois. Moi, je suis descendant du royaume de Kabongo. Direct, descendant direct, chef Kabongo. Alors, qu'il est carotou. Tuhika tu motu ya tu tunongelela makelele. Wana shiki. Njoo ile. Unajua kile mimi nasema. Mwache, mwache, mwache. Les Kasaiens sont des Congolais. Les Kivuciens sont des Congolais. Les Kinois sont des Congolais. Les Équatoriens sont des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Arrêtons le tribalisme et allons vers l'avant. Construisons notre République démocratique du Congo. Katange acha ki tribalisme yako. Balubakat mwache ki tribalisme yako. Mushicheze na mii. Injo message leo minemonesha. Mu continue mutapata un message na montani chambula, je n'ai rien à foutre ni comme mo Australie ni ko kwango. Muliona batoto beko kwabo. Ah, ushoneshe batoto yako. Batako kinapia batoto yako. Ni mwe ye njo baloji. Mwanta kunyuya batoto. Allez, merci. Bye.